Oui. Bah, un petit parcours hein, de nos lumières sur le plateau. On est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de choisir le Grand Talk. Avec nous ce soir, il y a Kevin Aubin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Comment bonsoir ça va? Ça va et toi? Ça va. Élisée Bolloukbe. Toujours présent. Bonsoir Élisée. Bonsoir Brice. Bonsoir Alain. Bonsoir Brice. Vous allez bien là? Oui, bien vous-même. Mais pourquoi vous vous frottez les mains à la Ponce Pilate? Non, mais on a un peu froid là, donc on se réchauffe les mains. Très bien. Ok, bonsoir Pascal. Bonsoir Brice, comment allez-vous? Ça va très très bien. Vous avez retrouvé vos lunettes. Oui, c'est vrai. Cette monture. Là. Je vous vois mieux ainsi. Très très bien, très très bien. Pascal, avec vous justement, vu que vous avez la parole. Bonsoir Kevin, je vous ai dit bonsoir. C'est par moi-même oui, que vous avez commencé. Ah, c'est vrai, je crois que je... C'est à Élisée que je n'ai pas dit bonsoir. Si, vous m'avez dit aussi bonsoir. Ça va, Brice? Tu vas bien. Il faut vérifier le contenu bonsoir, de la tasse. Bonsoir, Brice. Hein. Après, bah, on est jeudi, on est presque en fin de semaine, donc ça se ça va, ça se comprend. Merci, ouais. Kevin. Il faut vérifier le contenu de la tasse. Pascal, vous me parlez du wouzou. Oui, le wouzou. Qui est qui, hein, en anglais, pour ne pas traduire. C'est le palmarès des têtes qui comptent et qui sort. C'est un ouvrage qui sort depuis 2000. Il en a sa 4e édition cette année. Voilà, donc tous les ans, il fait le tour des têtes qui comptent en Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs qui comptent, dans tous les secteurs économiques, pour ne pas me répéter. Et cette année, le palmarès 2022, puisqu'il est édité en fin d'année, accueille 24 nouveaux entrants. La cérémonie de lancement se tiendra le 14 décembre de 10h à 12h à la salle Segrae Uemoa au plateau. Et c'est l'occasion ici donc, de rappeler aux institutions, à toutes nos organisations, que c'est un ouvrage de référence pour ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, pour qui veut savoir qui compte dans le microcosme ivoirien, politiquement, économiquement, socialement. Et c'est la Côte d'Ivoire de demain qui est honorée à travers cet ouvrage, puisqu'il a pour vocation de repérer des personnalités qui se font remarquer de façon positive et de façon qui sont excellentes dans leur secteur d'activité. Et il n'y a pas que des têtes, ce sont des Ivoiriens, mais il n'y a pas que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, il y a aussi la diaspora qui est concernée, parce que dans cette édition 2022, nous avons des Ivoiriens qui sont dans des grands groupes internationaux, qui se font remarquer aussi au niveau entrepreneurial, et qui vivent à Londres, aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Donc je vous invite tous à vous procurer cet ouvrage qui n'est pas disponible en librairie, qui est accessible sur commande et bien sûr à être présent le 14 décembre à 10h à la salle Crae Uemoa du plateau. Est-ce que c'est la même chose que le Youbiou? Non. c'est une variante plus Wuzu. Sérieuse du Youbiou. Est-ce qu'il y a deux jeunes personnalités qui ont intégré le classement cette année? Oui, cette année, on a deux jeunes personnalités. D'ailleurs, pour toutes les éditions... On ne va pas les dévoiler maintenant. On ne va pas les dévoiler. D'accord. Enfin, si je peux vous donner un ou deux noms, allez, comme ça, au hasard. Élisée Bolloukbe. Rachel Keke fait partie du nouveau cru. Ah, ouais. Hein, c'est une Ivoirienne de naissance, d'origine, qui est aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale française, membre du parti de Jean-Luc Mélenchon, Les Insoumis. Très bien. Et donc, c'est une Ivoirienne qui donc fait parler d'elle. Très bien. Être députée, c'est pas rien. Donc. On a eu l'occasion elle entre dans le Wouzou 2022. Du Wouzou sur le plateau, qui nous a donné les sens. Et Pascal, faites bien de nous rappeler le palmarès 2022. Il faut rappeler ces noms-là seront dévoilés au cours d'une soirée. Exceptionnellement, aujourd'hui, on a eu un nom en primeur, mais ouais. Voilà. Et Russell Lauré, qui avec son comité, est à la base de cet ouvrage, de ce palmarès de référence, vous passe bien le bonjour et sera avec plaisir sur nous ici, sur ce plateau. Très bien. Merci, Pascal. Merci beaucoup pour ce clin d'œil que vous nous permettez de faire. En attendant que vous y soyez. Très bien. Inch'Allah. De toute façon, nous faisons heureusement partie des personnalités préférées des Ivoiriens. Et du coup, déjà, ça nous fait plaisir. Voilà, il y avait la liste, on y était et ça nous a énormément fait plaisir. Mais je ne suis pas seul, j'avoue. Il y en a d'autres dans d'autres domaines. J'espère que vous aussi, vous y serez. Inch'Allah, un jour. Bon, je vous emmène au Qatar, les amis.
Le stade 974, ça vous dit quelque chose, Élisée Bouloukbe, vous qui êtes fan de foot? Oui, le stade 974 est un stade qui se caractérise par sa spécificité, à savoir qu'il a été entièrement bâti par des conteneurs. 974 déjà, hein, c'est l'indicatif du Qatar, mais en même temps aussi c'est le nombre de conteneurs qui ont servi à la réalisation de ce stade-là. Et selon les autorités qatariennes, c'est que juste après, après le match Brésil-Corée, qui s'est d'ailleurs achevé, ce stade-là devait logiquement être démonté totalement. Au départ, il était prévu que ce stade soit remonté, soit offert à un autre pays qui pourrait remonter dans un autre pays. Mais aux dernières informations, le Qatar, finalement, je crois que s'est rétracté et a décidé de plutôt l'utiliser à d'autres fins, notamment à des fins beaucoup plus esthétiques, à bordure de mer et autres, tout ça. C'est une autre infrastructure, en fait. Tu n'as pas parole, Qatar. Tu n'as pas parole, désolé. Il n'avait jamais dit qu'il le donnerait. C'est le ministre tunisien, si je ne m'abuse, du sport, des sports, qui avait dit que les échanges étaient en cours et qu'ils étaient plutôt positifs pour une session. Mais ils n'ont jamais dit formellement. Il n'y a pas flotteur dans le, voilà. Dans le lot. Là. Voilà. Il y a un gars qui nous sort des infos. Ils n'ont jamais vraiment dit. On a besoin de vérifier. Bon, donc, ils n'ont jamais dit. Vous faites bien de préciser. Non. Donc, il faut qu'on parle au ministre tunisien pour qu'il explique bien le contenu. Non, mais au-delà de ça, ils ne se sont pas fait chier pour trouver le nom du stade. Hein. 974 conteneurs, donc le stade 974. C'est ça. Moi, après, j'allais pousser la méchanceté à aller compter le nombre de conteneurs s'il y en avait 75. Mais en même temps, le ministre n'a jamais dit qu'il donnerait non plus. Hein. Il a dit que les échanges étaient en bonne voie. Donc, il n'y a pas de bafleteur. Très bien. Merci, Pascal. Vous êtes très gentil de nous préciser toutes ces choses-là parce que nous ne nous laissez pas. Mais de toute façon, le bien à eux, même s'ils décident de donner et qu'après ils se rétractent, c'est leur droit. Non. Vous ne me dites pas à moi, vous me donnez 1000 francs et demain vous me dites je ne vous donne pas et c'est votre droit. C'est vraiment. Non, il se pourrait que je vous donne 1000 francs. Ça change tout. Ça change tout. Non, mais de toute façon, en ce moment, la Tunisie connaît une récession économique, une flambée des prix. Donc je ne pense pas que ce soit la chose la plus importante pour les Tunisiens. La Tunisie qui devait être bénéficiaire. Je comprends pourquoi il y a l'intervention du ministre. Donc, ça ressemble au fantasme. Ça ressemble à un fantasme. Sait-on jamais. Oui, sait-on jamais. Bon. La chanson avant qu'elle n'entre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Isabelle. Dis pourquoi tu m'as menti, Isabelle. Dis pourquoi tu m'as trahi. En fait, là, en l'occurrence, ce n'était pas pour Isabelle, c'était soit pour le Qatar, pour la Tunisie. Cette chanson devient une chanson culte. Hein. Exactement, en fait, le Qatar, dis pourquoi tu m'as menti. Tunisie. Bonsoir Isabelle, comment allez-vous? Bonsoir Brice, salut la team, salut chez vous. Ben oui, je vous ai gardé hors du plateau parce que vous étiez en mission. Vous étiez en mission auprès de notre invité tout à l'heure, qui s'appelle M. Issiaka Sangaré, secrétaire général du Front populaire ivoirien. À ses côtés, justement, vous étiez en train de préparer l'entretien qu'on aura tout à l'heure avec lui. Vous nous en direz un peu plus tout à l'heure. Tout à fait. Merci Isabelle, merci. Vous êtes notre reporter sur le plateau, on vous envoie de temps en temps, gentiment. Bon les amis, on poursuit avec à présent la révision de la liste électorale prolongée jusqu'au 20 décembre 2022. Je souris. Elle a été prolongée? Très bien. Quelqu'un avait demandé sa prolongation. Mm-hmm. Il savait, c'est Mme Simone Gbagbo, je précise, oui. Qui avait demandé sa prolongation. Elle et d'autres, hein, certainement, mais c'est sa voix qui avait été la plus entendue sur cette question-là. Et puis, il y avait eu des discussions sur le plateau. Finalement, la liste électorale, la révision de la liste électorale a été prolongée. J'y arrive. Oui, prévu initialement hein, du samedi 19 novembre au samedi 10 décembre 2022, soit environ 3 semaines pour la révision. Là, le gouvernement, ou du moins le président, a pris un décret qui, sous proposition bien évidemment de la commission électorale indépendante, qui proroge donc cette date-là jusqu'au 20. Finalement, on dira que l'opération aura duré 31 jours. Donc, et comme vous le disiez si bien, je me rappelle sur ce plateau, ça avait été l'objet d'un véritable débat. Où on s'était un peu insurgé du fait que
on arrive un peu dans, comme si un cheveu sur la soupe à chaque fois dans à propos de la liste électorale. Élisée, bougez pas. Eliane, on peut revenir sur le plan avant, sur Élisée, s'il vous plaît. À propos de cheveux, je vais faire quelque chose qui se fait un peu. Bougez pas, Isabelle. Bougez pas. Je vais juste redresser, voilà. J'avais une partie des cheveux d'Isabelle pour votre plan. Ah, dans mon plan. Mais c'était sympa, c'était sympa. Okay. Vous me connaissez. D'accord, donc on se disait que ça venait un peu comme un cheveu sous la soupe. À chaque fois, on était vraiment comme si on était dans le roche, à chaque approche de joute électorale, et on se disait que ben, pourquoi ne pas carrément respecter ce que la loi prévoit, à savoir de faire la révision chaque année. Ça allait nous éviter vraiment de chaque fois être dans le roche en train de courir. Et ben, je pense que les autorités elles-mêmes aussi qui ont certainement eu la même réflexion que nous aujourd'hui, nous sortent ce décret-là qui proroge la date jusqu'au 20 décembre. Je rappelle juste que c'est une prorogation de 10 jours. Hein. 20 décembre, ça veut dire que c'est 10 jours qu'on a prononcé. Il ne faut pas que les Ivoiriens se disent qu'ils ont encore un mois voilà, pour aller se faire enrôler. C'est maintenant qu'il faut partir se faire enrôler. Et cela fera un total de 31 jours sur lesquels la possibilité pour les futurs électeurs, les nouveaux comme les anciens, de s'enrôler se présentera. Ce qui est, alors, pour ma part, salutaire. J'évoquais le point de Mme Simone et Yves Gbagbo, qui, dans un premier temps, souhaitait donc la prolongation, mais qui, dans ses propos, avait évoqué une autre question. Cette prolongation-là, selon ce qu'elle demandait, devait également servir à régler le problème de la transhumance. Est-ce que, dans les raisons de la prolongation de ce délai, il y a eu ce point-là qui a été évoqué par la CEI? Non, je pense que le décret, il est clair, hein, il est signé en date du 30 novembre, il est signé du président de la République. On n'évoque à aucun moment la question de la transhumance. Ils ont juste dit que sur proposition de la commission électorale indépendante, et vu en tout cas les décrets qui instituent même la commission électorale indépendante, donc ils font droit voilà, à la requête de la commission électorale indépendante et donc décident de proroger. Donc à aucun moment dans le décret, il n'est mentionné la question de transhumance. Enfin, indirectement quand même, parce qu'on évoque un décret sur la justification de la résidence dans le décret qui est pris, c'est cité. Mais je pense qu'effectivement, il y a la sensibilisation qui va se faire, parce que le jeu auquel se livrent quand même certains responsables politiques est un jeu qui n'est pas du tout démocratique et qui est de nature d'abord à déstabiliser les règles politiques et puis à provoquer de la violence. Voilà, en transposant d'un lieu à un autre des électeurs qui sont censés leur être favorables. Je pense que là, on est vraiment dans une forme de détournement de la démocratie à d'autres fins, notamment personnelles. Et ce n'est pas bien. Kevin ? Oui, moi, je me souviens que j'avais farouchement défendu la CEI sur ce plateau face à Mme Simone Gbagbo concernant sa demande de prolongation des délais de la liste électorale. Je regrette foncièrement. Moi, je ne comprends finalement pas comment la CEI jauge l'ampleur de la tâche qui lui est assignée. La fin de la révision était prévue pour le 10 décembre. Aujourd'hui, on parle de 10 jours plus tard, donc du 20. Et la question que je me pose, c'est pourquoi 10 jours et non 20 et non 30 jours, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? On aimerait bien savoir sur quelle base la commission électorale indépendante dresse ces délais. Et puis, dans 10 jours, il faudrait vraiment que la liste soit bouclée, quoi. Sinon, ça pourrait causer une vraie défiance vis-à-vis de la CEI et même on pourrait remettre en cause sa fiabilité. Donc, j'espère vraiment que dans 10 jours, ce serait effectif. En fait, pour juste répondre à Kevin, c'est qu'en Afrique, quand on donne des délais, on traîne en fait généralement les pas pour aller faire les documents administratifs. Donc, plus la date est courte, plus tout le monde va se mobiliser, en tout cas pour être inscrit sur donc la liste. Donc c'est notre faute à nous. Non, pas que c'est la faute. Non, mais ça peut faire partie en fait d'une stratégie que la CEI a peut-être mis en place pour éventuellement avoir beaucoup d'électeurs inscrits. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect financier qu'il faut évoquer. Parce que déjà, l'enrôlement en lui-même, tel qu'il était prévu, devait coûter, je pense, autour de 6 milliards. Donc, quand on le prolonge de 2 semaines, c'est sans doute qu'il y a eu quelques économies qui permettent d'aller sur cette durée. Parce que l'enrôlement, c'est la mobilisation de personnel électoral en particulier. Donc, ils sont dans des lieux d'enrôlement qu'il faut financer, payer tous les jours. Et je ne pense pas que le budget de la CEI, en tout cas en l'État, lui permette d'aller au-delà peut-être de ces 10 jours-là. Et quand vous évoquez tout ça, vous évoquez aussi le fait que certains partis politiques, certaines personnalités ont demandé la prolongation. Et ça fait partie des raisons. Tout ça mis ensemble, ça donne certainement le résultat qu'on a connu. Mais le changement, excusez-moi Brice de vous interrompre, mais je pense qu'il faut revenir à une revendication qui est la mienne, que je porte ici sur ce plateau depuis
plusieurs confier émissions. Confier les élections voilà, au ministère de l'Intérieur. Voilà, que l'État reprenne, ce qui permettrait, par exemple, dans nos mairies, d'avoir des bureaux des élections où les gens pourraient aller toute l'année. Au lieu de gaspiller de l'argent, excusez-moi de dire gaspiller, en tout cas de dépenser autant d'argent à recueillir quoi, à peine 10-15% supplémentaires sur la liste électorale. Donc, il y a un débat de fond qu'il faut mener. La gestion parcimonieuse des ressources de l'État, il faut vraiment songer à cela. Parce que pour des élections qui vont finir, comme on le sait déjà à chaque fois, il faudrait peut-être qu'on essaie de réorienter la réflexion sur le fait que l'État doit être quand même au début à la fin de ce processus électoral. Bon, et ça fait... Ça fait... Pour abonder un peu dans le sens de Alain, pourquoi ne pas même faire du droit de vote en fait une obligation, c'est-à-dire obliger tout le monde à voter, c'est-à-dire que dès que tu nais et que tu as inscrit en fait directement sur tu as atteint la majorité, tu peux directement aller voter parce que tu as déjà tous les documents nécessaires au niveau de l'administration publique. Voilà. Très bien. Très bien. Tous les deux, on fait une photo de famille tout à l'heure. Merci. On va mettre en bas. Ils ont proposé ce jour-là. Bon, allez les amis, à propos d'élections, à propos de candidature, eh bien, c'est officiel. Le président du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le président Henri Conan Bédier, est candidat à sa succession au prochain congrès de son parti. Après plus de 20 ans à la tête donc, du PDCI, Henri Conan Bédier, le président fondateur, par ailleurs, Henri Conan Bédier donc a officialisé ce 9 décembre sa candidature à la présidence du parti prévu donc pour un congrès prévu. Le congrès prévu pour quand, Élisée ? Vous avez une date du congrès ? Non, il n'y a pas de date précise pour le congrès. Déjà, il y a quelques mois de cela, certains laissaient entendre que probablement ça serait en 2023. Est-ce que certains laissaient entendre, ce qui logiquement devait être raisonnable. Le 7e congrès du parti. Puisqu'on sera déjà à 2 ans des élections, donc faire déjà le congrès en 2023 et probablement dans la foulée organiser la convention qui va désigner le candidat du parti pour 2025. Donc je crois que logiquement on doit être dans cette fourchette-là. Mais il parle de congrès extraordinaire, pourquoi ? Alors que le président Bédier est à la tête du parti, il n'y a pas d'intérim, il n'y a pas de vacances là, à la tête du parti, donc il y a aussi un usage... Non, c'est peut-être le congrès qui est extraordinaire. Oui, mais si c'est pour l'élection du président, il n'y a pas lieu de faire un congrès. Non, je pense que c'est un congrès, c'est plutôt le congrès du parti. Ça a été un lapsus en fait qui a dû glisser. Sinon, c'est un congrès juste du parti PDC. C'est juste un congrès. C'est juste un congrès. Parce que j'ai cru comprendre que des jeunes, justement, voulaient s'insurger contre ce fait-là. Alors, justement, s'il y avait des doutes sur la candidature vous avez parlé tout à l'heure de certains jeunes qui s'insurgeraient contre cette candidature-là. Est-ce que la meilleure façon de s'insurger contre cette candidature, ce ne serait pas, par exemple... Non, ils ne s'insurgent pas contre la candidature, mais plutôt contre le fait que... Le caractère extraordinaire du congrès. Extraordinaire du congrès, alors qu'il n'y a pas de discontinuité de ce mandat. OK, donc c'est plus clair. Bon, donc c'était l'information qu'on partageait avec vous. Le président Henri Conan Bédier, en tout cas, vu sa candidature déposée par M. Eoumont Bernard, C'est ça, Eoumont Bernard, son directeur de cabinet. Son directeur de cabinet. Très bien. Bon, on va regarder la suite. Je veux dire, ce qui veut dire que Jean-Louis Billon sera contraint d'arborer une casquette d'indépendant en 2025 parce qu'il n'a jamais caché ses velléités de briguer la magistrature suprême. Il y a la possibilité d'avoir d'autres candidats. Voilà, le congrès c'est... Moi, je ne parle pas du congrès, moi, je vous parle des élections. Il n'est pas obligé d'arborer la casquette d'indépendant pour le moment. Parce que le congrès, en fait, c'est juste pour élire le président du parti. Après le congrès, il aura la convention. C'est la convention qu'on désigne maintenant le candidat du parti. Mais ta préoccupation tient dans la mesure où, généralement, en Côte d'Ivoire, on a constaté que le président du parti est de facto le candidat du parti. Moi, dans ma tête, c'est déjà le candidat. Voilà, donc cette préoccupation, en tout cas, a tout son sens aussi. Moi, dans ma tête, c'est déjà le cas. Lors du congrès, est-ce qu'il y aura la possibilité, bon, là, c'est la candidature de M. Bédier, est-ce que M. Billon a la possibilité, par exemple, de proposer sa candidature au congrès? Non, mais là l'article qu'on a lu de notre confrère... dans la déclaration de monsieur. C'est le dernier jour. Hein, dans la déclaration de celui du comité en charge de la candidature, qui est l'ex-ministre. Alain Kouadio-Rémy. Il a dit que la candidature de Bédier venait clôturer ainsi les candidatures pour le congrès. Le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y a d'autres candidatures qui ont été déposées avant ou pas. Mais il a dit que le délai, en fait, pour le dépôt des candidatures. Le délai était clos à partir d'aujourd'hui, de ce jeudi. En tout cas, la candidature du président... Là, on est informé. Maintenant, s'il y a d'autres candidatures, on ne sait pas pour le moment. Mais de sources autorisées, il y aurait une seule candidature.
Mais en même temps, c'est ce que le bureau politique avait recommandé à Daoud. Je réserve que je me trompe de source autorisée. Bah, surtout qu'on a reçu sur ce plateau le porte-parole du parti qui nous a dit clairement que pour eux et pour tous les militants du parti, et même les cadres du parti, il n'y a que justement le président Bédier qui pourrait représenter le PDCI. Donc pour moi, c'était même la conclusion du bureau politique qui a eu lieu il y a quelques mois. La recommandation du bureau politique qui avait dit que Bédier, le président Bédier était le candidat. C'est la tête d'affiche ultime. Donc il s'est plié aux recommandations de ses militants et des différents organes du parti. Non, c'est surtout un homme de devoir. Oui, c'est ça. Donc. Absolument. Et un homme de mission. En radio, quand vous avez envie de jouer un titre, vous dites à la demande générale du public. Souvent, quand c'est vous-même. Ou alors vous avez reçu juste un seul SMS d'un ami, vous dites à la demande des militants et du bureau politique. Voilà. Le président Bédier pourrait être l'unique candidat. Non, mais enfin, dans le cas d'espèce, on a la preuve que c'est la volonté d'un grand nombre de militants et que les organes du parti aussi ont fait cette recommandation-là. Voilà. Donc, ce qui ressort quand même, c'est l'attachement des responsables du PDCI à la personne du président Bédier, qui a une longue carrière politique. Et je pense qu'il faut laisser la démocratie interne s'exprimer. Moi, je suis souvent surpris par les commentaires qu'on fait sur le choix de tel ou tel. Dès lors que les militants estiment que c'est le président Bédier, ben, c'est à eux d'assumer ce choix-là. En 2025, on verra bien finalement qui portera le maillot du PDCI. Alors, permettez-moi de citer pour la suite M. Alakouadio-Rémy. Eh bien, nous venons de clore donc la période des dépôts des candidatures. Je me réjouis que tout se soit passé dans les normes. Nous allons maintenant aborder la deuxième phase, qui est la délibération, dont les résultats seront communiqués ultérieurement. Notre septième, notons que le septième congrès du PDCI. Ah, le 14 décembre même. Voilà, c'est ça, c'est la date que je cherche. C'est vrai qu'il y a un vrai suspense. Le 14 décembre. En même temps, on n'a jamais dit que quelqu'un s'était présenté pour déposer sa candidature et qu'il en avait été empêché. Non, parce qu'il a dit tout est passé énorme. Voilà. Oui. C'est bon, alors. On était juste que Kevin, tout comme Kevin, qu'il y a un vrai suspense. Oui, il y a un vrai suspense. Là, on attend le résultat. Là, on ne sait pas. On ne sent pas poindre l'ironie dans vos propos, hein, non, n'est-ce pas? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, jamais. Ça, c'est quand on parle dans tes oreilles. Il a une espèce de... Non, en général, je vous écoute religieusement quand vous dites des choses. Je voulais juste marquer le moment de suspense. Ah, il y a une espèce de schizophrénie aussi qui vous prend quand on vous parle à l'oreillette et que vous êtes obligé de rebondir. Non, pas du tout. C'est un style d'animation. Voilà. De temps en temps, j'ai besoin de communiquer des émotions. Voilà, c'est ça. Laissez passer des anges, des émotions. Bon, allez, les amis, ça arrive même au meilleur. On va évoquer à présent l'affaire Pogba. Et ça va intéresser Kevin Aubin. Totalement. Donc, j'ai lu l'article du Parisien. Donc, c'est dans les colonnes du Parisien que le marabout sénégalais du nom de Biram a pris la parole. Je cite pour la première et la dernière fois, parce qu'il ne s'était jamais exprimé depuis le début de la polémique. Il a dit que plus jamais il va justement se prononcer là-dessus. Il a, durant toute son entrevue avec nos confrères du Parisien, défendu de bout en bout Paul Pogba. Mieux encore, il a nié toutes les accusations de sorcellerie, de sort maléfique à l'endroit de Kylian Mbappé. Il a dit même qu'avec Pogba, ils n'ont jamais parlé de foot. Et quand on lit l'article, on a l'image d'un père spirituel qui est totalement dévoué pour son fils spirituel, justement grande star de foot qui veut retrouver la foi musulmane. D'ailleurs, Biram se décrit comme un marabout au sens religieux, un marabout qui agit selon les préceptes de l'islam. Il balaie du revers de la main les notions de fétichisme ou de sorcellerie. D'après lui, ses relations avec Pogba étaient purement saines. Il décrit même Paul comme un homme généreux qui, dans l'ombre, a renouvelé des mosquées. Il m'étonne. Au Sénégal, qui a rénové également des écoles, qui a aussi donné de l'argent pour que des familles au Sénégal puissent s'approvisionner en riz, et ce, sur plusieurs mois. Mais pourquoi tu rigoles, c'est vrai? Non, mais vas-y. Oui, il est généreux, Pogba, selon son marabout. Donc, voilà, c'est ce qui est. Il a totalement nié toutes les accusations de sorcellerie. Moi, je n'aimerais pas me faire l'avocate du diable, mais... C'est vrai que, et comme on parle de maraboutage, c'est le cas de le dire, mais il faut savoir qu'au Sénégal et dans de nombreux pays, le terme marabout ne renvoie pas forcément aux mêmes réalités qu'ici. Hein, dire que je suis marabout, c'est quelque chose que revendique une certaine frange de la population ou de personnes. Et dans certains pays, ça correspond à un statut
plus qu'à un être malfaisant ou quelqu'un qui ferait des qui j'ai ferait de l'occulte. J'ai un marabout dans son quartier qui a demandé de lui envoyer pour faire des incantations. Huile, poulet, tomate. Il lui a demandé, tu veux pas gaz aussi? Elle est bonne, celle-là. Voilà, donc au Sénégal, quand tu as ton marabout, toutes les familles ont leur marabout. C'est un peu leur référent au cul, religieux, pardon. Voilà, hein, oui. Plus voilà. Religieux qu'au culte. Voilà, c'est voilà. Ça. C'est donc pour Pogba, ce marabout-là, bon, c'était tout. Son marabout. Ça a juste besoin de préciser. Alors, on parlait de révision de liste électorale. J'ai les informations. La dernière, c'est concernant Charles Blégoudé. Qui s'est fait enrôler à Guibérois ce matin. Ce matin, on va regarder les images. Vous savez, moi je suis en connexion comme ça avec. on regarde les images, on les voit. Voilà, c'est Charles Blégoudé. Alain Toussaint. Oui, il s'est fait enrôler ce matin dans son département d'origine, et ce qui lui permet encore de se rapprocher davantage des populations de cette région du Gord. Très bien. Voilà. Mais il faut préciser que Charles Blégoudé, à l'image ou à l'instar de Laurent Gbagbo, avait été également radié de la liste électorale. C'est cela? Je ne sais pas. Il faudrait qu'on vérifie. Est-ce que l'édito peut vérifier? Non, mais en tout cas, dans les textes de loi, condamnation pour crime ou qu'importe, hein, en tout cas une condamnation assez lourde, la conséquence immédiate, c'est qu'on est éjecté de la liste électorale. Donc, logiquement, c'est son cas. Très bien, en tout cas. Mais bon, je pense que tout cela a dû être l'objet d'arrangements, mais il faut vérifier quand même. Je ne sais pas s'il a été radié. Non, parce que si c'est le cas, on va se dire qu'il est passé par la même case que Laurent Gbagbo. Que Laurent Gbagbo, oui. Voilà, ben, on attend le communiqué de la CEI, alors. Très, très bien. Et le contentieux, c'est toujours le contentieux. On en a parlé aussi. C'est ça. Selon le CNDH, en tout cas, c'est une information qui inquiète le CNDH, on parle de surpopulation carcérale. Bon, Élisée Bolougbeu, c'est une information qu'on avait déjà. Mais le CNDH attire l'attention des uns et des autres, tire sur la sonnette d'alarme à propos de cette situation. Pascal, vous vouliez en parler avant? Moi, je pense que l'une des mesures importantes que doivent prendre nos autorités, et ce n'est pas un appel d'air, ce n'est pas le fait de demander aux gens de venir les remplir, loin de là, c'est quand même de construire, il est temps qu'on ait une autre maison d'arrêt, en tout cas dans la banlieue abidjanaise, parce que les contraintes démographiques qui sont le corollaire en même temps de tout ce qui est criminalité s'imposent à nous, et que ce ne serait pas superflu qu'on ait une autre maison d'arrêt. Ceci dit, la maison d'arrêt qui est là est largement au-dessus de sa capacité d'accueil. Ça fait plusieurs années que la sonnette d'alarme est tirée. Je suis certaine que nos autorités le savent, et on espère que le ministère de la Justice va pouvoir porter donc le plaidoyer pour qu'enfin des fonds soient décaissés pour une maison d'arrêt qui respecte les normes en la matière. Parce que même en prison aussi, on continue peut-être pas d'avoir les mêmes droits, mais on continue d'avoir des droits, ceux inaliénables au genre humain. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur le droit des femmes incarcérées, parce que il y a des femmes qui tombent enceintes, il y a des enfants qui naissent en prison, et il faut s'occuper de ces cas-là. Élisée Bouloubeu, vous souhaitiez rajouter quelque chose ? Oui, juste dire effectivement que la question du fait que l'univers carcéral en Côte d'Ivoire traverse quand même... Justement, vous en parlez, vous parlez Côte d'Ivoire, parce que dans le point de Pascal, c'était très focalisé sur Abidjan. Il n'y a même pas qu'Abidjan. Oui, de Côte d'Ivoire, de façon générale. C'est vrai. On a 34 prisons. Oui, c'est une réelle préoccupation. Je crois qu'il y a de cela quelques mois, environ 3 ou 4 mois, lors d'un conseil des ministres, une décision a été prise pour construire des prisons dans quelques localités en Côte d'Ivoire. Il y a une prison qui est en train d'être construite dans le nord. Entre 8 et 10 localités qui auraient été ciblées, où on devait construire encore de nouvelles maisons d'arrêt, pardon, et de correction. Donc, c'est dit que les autorités sont conscientes du fait qu'effectivement, aujourd'hui, nos prisons sont archi-pleines, franchement. Et souvent, je pense que c'est ce qui contribue même au fait que quand certaines personnes ressortent de là, elles ont du mal à se socialiser, parce que les conditions sont telles que la promiscuité crée encore plus d'attrait et d'attention même pour tout ce qui est délinquance et autres, tout ça. Donc, c'est déjà une bonne chose d'avoir ce projet. Maintenant, il faut sortir les moyens pour que cela se fasse assez rapidement. Sinon, arrivé un moment, on se rappelle qu'il y a eu des mutineries, par exemple, où il y a eu quelques morts. On se rappelle encore dans les prisons, notamment à la Maca.
Et c'est justement le fait que les gens soient très surpeuplés qui très souvent conduit à ces risques-là, en fait. Vous parlez, de ce point-là, on parle de la surpopulation, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Oui, la surpopulation, mais il y a aussi le fait que très souvent les détentions sont longues, là où il faudrait des procès peut-être dans des délais raisonnables. Et puis, il y a 2 ans, je crois... Les détentions préventives, en fait. Voilà. Il faut un centre de détention. Une décision avait été prise par le gouvernement de remplacer des peines de prison par des travaux d'intérêt général. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être dans le lot regarder ceux qui y ont droit et si ces personnes-là peuvent participer à la vie de la communauté, que la détention n'est pas forcément la règle. Voilà. C'est vrai, quand on commet des crimes, des délits, on peut aller en prison, mais il faut aussi voir. Mais que les procès aussi se tiennent dans des délais raisonnables. Alain, il y a aussi les bracelets électroniques pour des délits mineurs, par exemple, où on peut vraiment purger sa peine à domicile. Ça aussi, c'est quelque chose auquel il faudrait... Non, c'est un vrai problème, les surpopulations. En 2019, il y a l'Observatoire des lieux de détention, qui est une grosse organisation qui regroupe 28 ONG, qui a sorti un rapport assez accablant. Ça, c'était en 2019, c'est-à-dire que le taux de surpopulation dans nos prisons avait bondi de 266%. C'est-à-dire qu'il y avait 19 000 détenus pour près de 7 000 places. Mmh. Et pour rejoindre ce qu'Alain disait, en Côte d'Ivoire, on aime infliger des peines de prison préventives pour tout et pour rien. Je vais prendre le cas, par exemple, de la blogueuse assez controversée qui s'appelle Love Gugu, qui était accusée... Qui s'appelle comment Love Gugu. Qui était... Allez, on dit Gugu. Ah, c'est Gugu. Non, c'est Gugu. Pardon. Gugu. Gugu. Ah, pardon. Bon, Augustine, on va le dire. Ça va arrêter. Voilà, Gugu. Justement, elle était accusée par une autre influenceuse de diffamation. Et du coup, elle a fait 10 jours à la MACA avant son procès pour finalement être... Enfin, pas relaxée, mais le verdict, c'était de la prison avec sursis. Donc... elle n'est pas retournée en prison. Du coup, tu fais de la prison préventive pour finalement sortir de prison 10 jours plus tard. Et pour moi, ça n'a aucun sens, quoi. Élisée Boulogne, je sais que vous avez souhaité, mais si vous me promettez que vous avez 10 secondes d'intervention sur ce point, je vous prends 10 secondes, je vous donne la parole pour votre point. Ah non, c'était juste un point, je voudrais tout à l'heure... 10 secondes, ça y est. Oui, quand on était en train d'échanger sur le PDCI, c'est une information, parce que là aussi on me parle dans la tête, Brice n'est pas le seul à qui on parle dans la tête. Ah. Je ressens des informations dans la tête, voilà. Le congrès extraordinaire, le 7e du PDCI, qui était prévu initialement le 14 février, vient d'être reporté à une date ultérieure. Le 14 décembre vient d'être reporté à une date ultérieure. Donc, il était important qu'on puisse le signifier. C'est une primeur. Donc, pendant qu'on est là, il y a des gens qui nous parlent dans la tête aussi. Je suis content que vous soyez connectés. Bon, Élisée, justement, vous avez la parole. On va évoquer avec vous la vie de la nation. Oui, aujourd'hui, on va parler, dans le cadre de la vie de la nation, du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Quelqu'un a déjà entendu parler de ça? Le programme de transformation, le programme stratégique, pardon, de transformation de l'aquaculture. Oui, on en a parlé en direct devant tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Personne ne dira non, on dit oui, bien sûr. Non, mais si, on en a parlé pendant le temps des vacances. Apparemment, on veut faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur de poissons. C'est ça, non? C'est ça. Merci beaucoup. Du coup, bon. Parce que tu voulais nous piéger, façon. Non, mais c'est sûr que du coup, c'est plus la peine qu'il en parle. Allez, on en a déjà parlé. On passe à autre chose. Oui, d'accord. Donc, voilà, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, le PSTACI, est un programme qui s'inscrit dans le cadre du programme global Une Côte d'Ivoire solidaire, qui est en lien avec la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Il y a une politique nationale qui s'appelle le PONADEPA, donc comme je l'ai dit, qui signifie la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Mais qu'est-ce qui motive le gouvernement à lancer un tel programme? C'est simple. Aujourd'hui, la production halieutique en Côte d'Ivoire, la production nationale est de l'ordre de 5000 tonnes et couvre seulement 14% de la population. Des besoins, pardon. 14% des besoins, désolé. 14% des besoins. Merci beaucoup, Alain. Donc, pour résorber cette situation, le gouvernement a estimé qu'il fallait lancer un tel programme. Parce qu'aujourd'hui, pour rappel, la Côte d'Ivoire exporte, ou du moins importe, pour 300 milliards de francs CFA de poissons par an. Ce qui est excessif, ce qui est vraiment faramineux. On a la mer, on a des lagunes, on a des... Voilà. Et on exporte pour 300 milliards de francs CFA de poissons par an pour pouvoir couvrir les besoins nationaux. Donc, le gouvernement a estimé que, comme vous l'expliquez si bien, on ne peut pas avoir des étangs, on ne peut pas être un pays qui est entouré, qui est traversé par tous ces cours d'eau-là et qu'on soit en train d'importer plus de 300 milliards de poissons. Donc, le programme a été mis en place pour résorber cette situation. Donc, l'objectif à terme, c'est de pouvoir produire 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030 pour qu'on puisse couvrir le besoin
en tout cas en ressources halieutiques. Donc, ce qui va permettre aussi une chaîne de valeur, hein, qui va une chaîne de valeur estimée à autour de 825 milliards de francs CFA. Donc, ça va développer des emplois, ça va permettre quand même, en tout cas, de développer le commerce du poisson, ça va permettre d'insérer les jeunes, beaucoup de jeunes. Et à cet effet-là, il y a des centres piscicoles qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet. C'est celui, par exemple, de la LOCA, dans le département de Boaké. Et ce centre piscicole-là, où même le Premier ministre a lancé le programme le 1er août 2022, c'est au centre de la LOCA qu'il a lancé le programme. Et à côté du centre de la LOCA, il y a le centre de Koubi, dans le département de Tiébissou aussi, qui est un centre aquacole, et puis il y a le centre aquacole de Jacquesville. Donc, l'objectif, comme je le dis, de ce programme-là, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire, dans un futur notamment pas très loin, mais un futur plus ou moins proche, de pouvoir couvrir ses besoins en matière de ressources halieutiques. Merci, Lydie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir au vendeur de garde. Allez, les gars. Isabelle, justement, vous étiez en mission, je le disais aux téléspectateurs tout à l'heure, pour notre prochain invité. Qui aurons-nous sur le plateau? Oui, alors on va recevoir tout à l'heure Issiaka Sangaré, qui est le secrétaire général du FPI, du Front Populaire Ivoirien. Donc avec lui, on va évoquer donc son engagement au FPI avec donc Pascal Affine-Guessant et éventuellement une alliance avec le RHDP ou encore le MGC. Qui sait, on en saura plus tout à l'heure. Oui, éventuellement, on l'a noté. Oui, éventuellement. Vous avez des confidences? Je ne sais pas. On aura l'occasion d'en parler. On marque une courte pause, on se retrouve juste derrière pour la suite du Grand Talk. Merci de nous regarder, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT, je vais le dire avant, l'un avant l'autre. Et sur Internet, vous êtes très nombreux à réagir. Ce soir, sur le plateau, nous sommes en compagnie d'Élisée Bouloubeu, de Kevin Aubin, de Isabelle Vauvor, de Alain Toussaint et de la très chère Pascal. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk M. Issiaka Sangaré. Vous êtes secrétaire général du Front Populaire Ivoirien. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Vous êtes un habitué à notre... secrétaire général et porte-parole. Et porte-parole, on va le rajouter, exactement. Vous êtes un habitué de nos plateaux. C'est-à-dire que toutes les fois, vous avez eu l'occasion de... Quand votre agenda vous le permettait, eh bien, vous avez accepté d'être sur notre plateau. Première question, nous sommes en 2022. Je n'avais pas eu l'occasion de nous poser la question avant cette année, je pense. Comment se porte le FPI aujourd'hui? Alors, le FPI se porte plutôt bien. Plutôt. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de renforcement de notre implantation sur le territoire national. Nous avons donc un objectif de 10 000 sections, 750 fédérations déjà installées, 10 000 sections et pratiquement 25 000 comités de base. Nous avons décidé de sursoir aux réunions statutaires pendant 3 mois pour que toutes les délégations se retrouvent sur le terrain. Et le processus est très avancé. Et la vie sans le président Gbagbo au sein de ce parti, c'est comment désormais? On se porte encore mieux. Mm-hmm. On se porte encore mieux parce que nous sommes sortis des tractations de l'époque, nous sommes sortis des amalgames et nous avons aujourd'hui toute la latitude de déployer et de mettre en évidence notre programme et d'orienter l'action du parti. Et le congrès extraordinaire de 2021 en a fait la preuve et a lancé les axes de modernisation de notre parti, de la communication et à d'autres niveaux. Très bien, je vous garde une question d'actualité. On évoquait tout à l'heure sur le plateau la question de la révision de la liste électorale, de sa prolongation. Votre mot là-dessus? Oui, nous sommes heureux que la prolongation ait été acquise. Il est bien évident que les différents états-majors des partis politiques qui sont des demandeurs dans le processus, à un moment donné, ont pensé qu'il y aurait une spontanéité des populations à réagir. Mais vous savez, les élections locales, interpelle très peu nos concitoyens, différemment de l'élection présidentielle. Donc les états-majors se sont mis en branle, principalement au niveau du Front populaire ivoirien, mais nous savons qu'il faut mettre à profit cette prolongation de 10 jours pour finir totalement le processus que nous avons entamé. Comment vous mettez ces 10 jours à profit? Alors, il faut dire que clairement, nous avons eu une réunion, un secrétariat exécutif hier, pour définir un mode opératoire, pour faire en sorte que nous allions davantage auprès des populations, que nous voyons nos militants, ce qui a été déjà fait, mais il faut renforcer la donne, parce qu'apparemment l'objectif n'est pas atteint, je dirais même au niveau national. C'était un objectif, je dirais au départ, il y a 5 millions de personnes, comme on dit, qui devraient être sur la liste, et l'objectif aujourd'hui était à pratiquement 900 000, entre 700 000 et 900 000. Il n'est peut-être pas atteint, et certainement pas atteint, nous attendons que la CEI peut-être en parle. Mais si cette conclusion a été arrêtée, s'il y a eu un décret spécifique, c'est certainement pour ça.
Alors, est-ce que vous estimez qu'il faudrait que cet enrôlement qui est prévu pour être annuel le soit effectivement et que, par exemple, dans 6-9 mois, on redemande aux Ivoiriens de se faire enrôler? Oh, c'est une requête du Front populaire ivoirien qui a été toujours mise en avant à l'occasion des différents dialogues politiques. Notre volonté, c'est que ce processus soit annuel. Nous avons un véritable problème concernant notre fichier d'état civil. Beaucoup de naissances ne sont pas enregistrées. Donc, la politique de planification même s'en retrouve impacté. Donc, notre souhait, c'est qu'annuellement, cela se fasse, qu'on n'attende pas des périodes fatidiques pour appeler les populations qui peuvent avoir en ce moment-là d'autres préoccupations. Bien sûr. Voilà. Kevin, oui, dit... monsieur, aujourd'hui, Charles Blé-Goudé est de retour au Bercail. Hein. Il est rentré en Côte d'Ivoire. En août 2022, le président Afingueysan a fait une sorte d'itinérance politique dans la région du Lodigbois. Il s'est même rendu dans le village de Charles Blé-Goudé. Oui. Il s'en est même enorgueilli un tant soit peu. Est-ce que... c'est une sorte de clin d'œil à Charles Blé-Goudé. Est-ce que vous avez envie de l'appâter de... C'est quoi aujourd'hui votre ressenti vis-à-vis de ce monsieur-là? Il faut dire que le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Afingueysan, s'est fortement impliqué dans la gestion du dossier Charles Blé-Goudé, à l'occasion déjà d'une rencontre avec le président Alassane Ouattara, et ensuite à l'occasion du dialogue politique. La question a été soutenue fortement par le Front populaire ivoirien. Je crois que certains journaux en ont fait l'écho. Et même nous. Pour nous, en tout cas, merci. Pour nous, c'était essentiel qu'un fils de la Côte d'Ivoire, qui connaissait cette situation particulière, puisse regagner son pays. Ça, c'était déjà l'approche humaine, parce que nous sommes des socialistes. C'était déjà l'approche humaine. C'était aussi l'implication d'une volonté de dessiner une configuration de la gauche qui, progressivement, pourrait reprendre, je suis tenté de dire, du poil de la bête. Et ça, c'était aussi un autre élément. Maintenant, Charles Blé-Goudé arrive, nous nous en félicitons, nous remercions les autorités pour cette opportunité, au fait. Et il est là, il rencontre les populations. Le moment venu, nous passerons à une phase certainement d'échange. Parce que nous considérons que le Front populaire ivoirien aujourd'hui est la plus grande force de gauche, celle qui devrait pouvoir fédérer. Et c'est une réalité. Nous avons un président de conseil régional, nous avons des conseillers municipaux, nous avons des adjoints maires, des vice-présidents de région, nous avons aujourd'hui des maires. On en avait deux à Agou, mais avec le départ de l'ancienne secrétaire générale, on peut considérer que, bon, ce bastion-là qui a été acquis sous l'étiquette du Front populaire ivoirien n'est plus peut-être dans la scarcelle du Front populaire ivoirien. Mais nous avons encore conscience qu'il y a encore une mairie. Donc, nous avons cette capacité-là. Très bien. Voilà. D'accord. Monsieur le secrétaire général, les élections locales sont prévues pour dans moins d'un an, précisément. Aujourd'hui, comment ça se prépare, ces élections-là, dans les quartiers généraux au niveau du FPI? Et éventuellement, est-ce qu'il est entrevu des alliances, notamment avec certains partis, comme on le laisse entendre dans la presse? Kevin l'a un peu supposé tout à l'heure dans sa question. Il ne faut pas le laisser supposer ou le laisser entendre. Nous n'avons pas manqué de le dire. Effectivement, il y a une réalité politique en Côte d'Ivoire. Aucun parti politique seul ne saurait prétendre aller aux élections et gagner. C'est une réalité. Donc, fort de cela, nous avons mis en branle nos différentes équipes et nous avons fait, à certains niveaux, des choix de présentation de candidatures. Mais nous commençons par le plus essentiel, le renforcement de notre présence sur le terrain. Définir notre axe stratégique, communiquer avec les différents partenaires. Évidemment, le Front populaire ivoirien a une vocation à aller à ces élections-là en mettant en avant une alliance. Et l'alliance que nous privilégions aujourd'hui, c'est celle avec le RHDP. Même si nous n'avons pas encore avancé sur cette question, mais c'est une intention qui a été clairement exprimée. Nous ne nous en cachons pas. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui où on parle de réconciliation, où on parle de développement, où il est bien évident que les alliances ne sauraient être qu'idéologiques. Mais c'est surtout pourquoi le RHDP et pas un autre parti? Vous réclamez de la gauche, c'est alors ça, le RHDP... Oui, mais il faut être pragmatique. Oui, on se réclame la gauche, mais personne n'a condamné... Personne n'a condamné l'alliance PDCI-EDS à l'époque. Aujourd'hui, l'alliance peut-être à venir PDCI-PPACI. Personne ne condamne cela. Mais nous disons clairement qu'il faut prendre en compte un ensemble d'aspects. Nous avons été en 2020 dans l'environnement des élections, de l'élection présidentielle. Mais dans ce texte, nous avons clairement vu, et cela a impacté la dynamique du groupe, que le PDCI et EDS, aujourd'hui qui est devenu PPACI, ont eu la volonté de marcher ensemble, en laissant sur le côté de la route les autres acteurs politiques. Ça, c'est déjà un élément.
Nous sommes allés en 2021 aux élections législatives. C'était encore la même situation. On aurait pu, ensemble, mener cette dynamique-là. Cette dynamique, effectivement, a connu quelques difficultés, quelques avatars. Vous comprenez ? Et fort de cela, nous nous inscrivons dans une dynamique nouvelle, celle qui met en évidence le dialogue politique, celle qui met en évidence la finalité de la démocratie, celle qui met en évidence le développement de notre pays. Alors, ça n'exclut donc pas que, quand bien même nous fédérons à gauche, nous puissions échanger avec le parti au pouvoir. Quand bien même nous fédérons à gauche, c'est une réalité. On ne parle pas de fusion. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est juste une stratégie ? Mais tous les acteurs politiques ont une stratégie. Et celle-là, elle peut mettre même à mal tout ce qui peut être alliance idéologique, juste pour pouvoir aller remporter des élections ? Il ne faut pas le dire comme ça. C'est vrai que la finalité de tout parti politique, c'est de remporter les élections. Ce qui est évident à un moment donné, c'est de renforcer notre axe tactique, d'aller avec des acteurs qui n'ont pas non plus échoué dans leur gouvernance et avancer pour que, au nom de cette approche-là, la nation elle-même puisse se donner les moyens progressivement de voir naître une dynamique nouvelle. Parce qu'il ne faut pas exclure qu'il y aura une recomposition de la classe politique ivoirienne. Isabelle. Alors, on a quelques signes. Si on comprend bien la stratégie en place, c'est-à-dire que si dans certaines régions, par exemple, je prends le cas du Moronou, où le RHDP a peut-être des difficultés à avoir donc la présidence du conseil régional, à ce moment-là, on pourra avoir un candidat comme M. Pascal Afinguessan, candidat à la fois FPI et RHDP. Vous allez trop vite en besogne. Vous allez trop vite en besogne. Nous ne sommes qu'à la déclaration d'intention. Et laissez le temps venir. Si cela se produit, ce sera un acte fort, ce sera un partenariat fort. Donc, vous en aurez fortement la primeur. Il a des intentions de candidature. Pascal Afinguessan a des intentions de candidature, toujours dans le Moronou. Oui, mais forcément, dans le Moronou, il sera candidat. D'accord. Oui, il sera candidat parce qu'il a été candidat, il a gagné dans le Moronou. Il faut vous rappeler que Pascal Afinguessan a même gagné en 2015 dans le Moronou. Vous comprenez ? Donc, dans sa région, il met en œuvre beaucoup de projets. Et j'invite chacun à se pencher un peu sur les activités mises en œuvre dans le Moronou au niveau des infrastructures, au niveau même de l'affichage international, au niveau du sport et des loisirs. D'accord. Alors, le RHDP a d'ores et déjà commencé à désigner ses candidats. Qu'en est-il au niveau du FPI ? Le FPI, c'est aujourd'hui, globalement, les zones dans lesquelles une candidature sera présentée. Donc, le FPI sait aussi quels sont ses candidats, parce que nous avons travaillé aussi sur ces aspects-là. Donc, le RHDP présente ses candidats, le FPI sait. Dans quelle zone il présentera ses candidats ? Nous avons des candidats, et en temps opportun, vous les connaîtrez. Mais d'accord, nous avons déjà la liste de nos candidats internes, mais surtout des circonscriptions où nous pensons que nous pouvons gagner. J'ai Alain Pascal pour la suite. Alors, on a parfois le sentiment, monsieur le secrétaire général, que ces arrangements d'appareils dépassent très souvent les militants. Est-ce que vous avez un retour du terrain ? Que pensent vos électeurs ou vos militants de ces arrangements ? Et pour rejoindre la question précédente d'Isabelle, sur le choix déjà de votre allié putatif, le RGP qui a déjà positionné des têtes fortes, notamment sur des grandes communes d'Abidjan. Est-ce que finalement l'alliance va se faire au second tour, c'est-à-dire entre guillemets second tour, au moment des votes au conseil municipal, ou alors vous allez devoir les affronter ou ne pas présenter de candidat? On aimerait comprendre un peu comment vous comptez. Souffrez que nous vous donnions la primeur en temps opportun. Vous savez que tous les axes stratégiques se définissent en tenant compte d'un ensemble d'éléments précis. Et nos militants sont aussi conscients du fait que Pascal Afinguessan, arrêté en 2020, dans la crise qu'on a connue pendant l'élection présidentielle, est un acteur majeur du jeu politique. Ils savent aussi que nous n'avons pas toujours bénéficié de la solidarité des autres. Ils savent aussi que certains préfèrent marcher, je dirais, singulièrement dans cette quête politique-là. Vous n'êtes pas les seuls. Oui. Voilà. Donc, pourquoi vous voulez que nous allions avec des personnes qui considèrent, avec suffisance qu'elles ont la possibilité de gagner, sans aucune humilité, sans tenir compte de l'approche pragmatique du terrain? Nous attendons les élections. Donc, vos militants sont en accord avec cette démarche-là, cette vision? Un parti politique, dans tous les cas de figure, dès lors qu'il prend une décision, il est bien évident qu'il a échangé
avec ces militants. Mais nous n'en sommes qu'à des actes préparatoires. D'accord. Voilà. Bon, donc l'acte en lui-même n'est pas mis en œuvre. Nous avons dit que nous n'excluons pas cela et que c'est une possibilité. Bon, je retiens pour la part que vous avez évoqué sur ce plateau ici, qu'à la FTV, sur ce plateau, nous aurons la primeur de la liste que, et certainement des alliances que vous comptez avoir avec les autres partis. Je vous en fais la promesse. Merci beaucoup. C'est mon engagement journalistique en faveur de ma chaîne. Bon, on va évoquer une autre question d'actualité, c'est la question de la transhumance. Vous avez une certaine lecture de la vie politique. Comment vous appréciez ce point-là? Oui, il est bien évident que la transhumance est déjà un acte attentatoire à l'expression réelle des intentions de nos concitoyens, des électeurs principalement. Il est même aujourd'hui qualifié d'acte délictuel avec des condamnations, conformément donc à l'article 9, alinéa 7. Et au-delà de cela, c'est une approche, c'est un manque d'éthique dans le jeu politique. C'est une atteinte morale à des règles et principes importants. C'est un dévoiement de la donne démocratique en tant que telle. Je pourrais dire simplement, c'est une escroquerie morale. Vous voyez. Donc, il est bien évident que les partis politiques aujourd'hui œuvrent et interpellent toutes les situations qui font montre d'éléments de transhumance. La loi le dit clairement. Vous votez, là où vous avez votre point d'attache, soit votre résidence, soit voilà. Donc ce sont des éléments qui sont précis. Des éléments précis, l'enregistrement au rôle de la région, la cinquième fois consécutive, l'attachement pour ceux qui sont à l'étranger dans les consulats et autres. Donc c'est clair. Maintenant, ceux qui œuvrent de la sorte, c'est malheureux. Oui. C'est malheureux. Donc il faut décrier cela, comme cela se fait. Il faut aussi interpeller, même dans les chapelles politiques, ceux qui peuvent croire que c'est avantageux de le faire, il faut les rappeler à l'ordre. Je ne crois pas que ce soit seulement la vocation d'un parti politique, mais c'est aussi malheureusement l'intention de certains individus qui œuvrent individuellement dans une quête de résultats. Donc voilà, la transhumance est condamnable, comme on s'en rend compte. Voilà. Élisée. Le président Affine Guessin est reconnu pour être quand même, sur la scène politique, hein, l'une des personnalités politiques vraiment les plus pondérées. Si bien que beaucoup d'Ivoiriens ont été surpris par sa sortie lors du CNT, cette parenthèse que je mets, cet épisode que je mets parenthèse, que je referme rapidement. Aujourd'hui, quels sont les rapports du FPI en dehors du RHDP dont il entrevoit faire une alliance? Quels sont ses rapports avec les autres partis politiques, notamment ceux-là avec qui il a pratiquement vécu plus de 20 ans de camaraderie, notamment le PPACI? Vous savez, le PPACI est sorti tout récemment du Front populaire ivoirien. Il est en train de mener allègrement son petit bout de chemin, avec des réussites, mais aussi avec beaucoup d'avatars, hein, on s'en rend compte. Et donc la réalité aujourd'hui, dans le respect des autres partis politiques, c'est vrai, nous avons cette vocation-là, mais nous avons de bons rapports avec l'ensemble des autres partis. Et nous n'avons pas de rapport, je dirais, d'affrontement avec le PPACI. Mais c'est vrai qu'à certains égards, nous partageons le même électorat. Donc forcément, il y a un jeu d'adversité qui se met en branle, c'est clair. Et j'aimerais dire à cet égard que, contrairement à ce que certains avaient pu penser, il y a beaucoup de personnes qui rejoignent le parti. Et même celui qui a été l'acteur de l'appel de Mama, qui a engendré la dissidence, a rejoint le Front populaire ivoirien. Il est aujourd'hui secrétaire général adjoint, membre de la direction du parti. Ah oui, il y a des exilés qui sont arrivés du Ghana, des trois camps au Ghana, qui ont rejoint le Front populaire ivoirien. Il y a des acteurs de la Niébitiassa qui sont arrivés, PDCI et PPACI, qui ont rejoint le Front populaire ivoirien. Très bien. Voilà des éléments, c'est factuel. Sur la photo, dans le fond, et que vous apercevez, il y a un autre acteur politique dont on a envie de connaître les rapports avec le FPI, ou le FPI, ses rapports avec Mme Simone et Yves Gbagbo. Oui, il est bien évident que nous appartenions à ce parti politique-là, le Front populaire ivoirien. Et nous avons été présents lorsque le MGC se constituait en parti politique. Nous sommes donc allés au nom de la courtoisie, mais au-delà, parce que nous nous sommes dit, nous sommes des partis politiques, et nos rapports sont des rapports cordiaux. Donc à cet égard, je dirais que nos rapports sont des rapports cordiaux, mais nous n'avons rien envisagé pour le moment ensemble. Est-ce qu'elle va là?
Oui, je comprends bien que la politique politicienne, les rapports entre les partis et puis la température qui prévaut dans ces rapports-là est importante pour l'ensemble des Ivoiriens, puisque cette température-là, quand elle grimpe, impacte fortement notre vie à tous. Mais j'aimerais prendre votre avis sur un autre sujet. C'est bientôt la fin de l'année. Les familles vont être réunies et on a 46 soldats ivoiriens qui sont au Mali, qui, on l'espère, vont rejoindre leur famille, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un communiqué de la CDAO du récent sommet d'Abuja a fait état de ce n'était pas un ultimatum, on était bien d'accord ici, en tout cas, une demande très appuyée au Mali de libérer ces soldats. Est-ce que comment vous vous joignez aux efforts politiques en ce moment pour y arriver? Alors, il faut dire que très tôt, le Front populaire ivoirien a produit une déclaration en appelant le gouvernement ivoirien à gérer cette question par le biais de la négociation, de la diplomatie, mais en insistant sur le fait qu'il était important qu'on libérât nos soldats, nos concitoyens détenus là-bas. Donc nous regardons ce dossier-là. C'est vrai que c'est d'abord l'implication du gouvernement en tant que représentant de l'État. Mais nous sommes solidaires et fondamentalement et forcément de cette situation des militaires en tant que tels. Nous condamnons à sa juste mesure cet acte que nous considérons répréhensible et en même temps attentatoire à la bonne pratique au niveau des relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Quelle est votre lecture sur cette date du 1er janvier qui a été donnée? Est-ce que si ce n'est pas respecté, vous avez une idée de ce qui pourrait advenir? Oh ben, c'était un ultimatum qui est fortement fondé. Il a été donc arrêté au dernier sommet d'Abuja, le 4, avec d'autres mesures par ailleurs. Et il y a eu à l'époque déjà des mesures telles que l'embargo qui avait été mis en œuvre. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous observez comme tout le monde. J'observe sur cette question-là, qui est gérée à des niveaux beaucoup plus importants. Très bien. Et nous espérons que le dénouement sera atteint et que ces familles-là vont regagner leur pays. Et nous leur exprimons toute notre solidarité à ces militaires ainsi qu'à leurs familles en ces fins d'année. Et nous espérons fortement qu'ils pourront regagner leur foyer. On vous dira bonne fête de fin d'année par anticipation et puis bonne chance au FPI. Merci à vous. Dernier mot certainement, si vous en avez un dernier mot. Conclure. Merci de nous recevoir, de nous donner toujours l'opportunité d'échanger. Le Front populaire ivoirien se porte bien. Beaucoup de délégations ont été mises en branle. Le président du parti était dans le go, comme on a pu s'en rendre compte. Source de l'AIP, 10 000 km, plus de 80 rencontres. Aucune position de fermeture à cette situation, plutôt une adhésion des populations. Très bien. C'est donc dire que nous sommes fortement lancés dans cette dynamique-là et que les Ivoiriens doivent pouvoir regarder le Front populaire ivoirien comme cette force-là qui met en évidence le dialogue politique. Nous en avons été les précurseurs. Ceux qui nous condamnaient à l'époque, ceux qui nous critiquaient, aujourd'hui suivent ce texte du dialogue politique. Merci beaucoup. Donc, le Front populaire ivoirien reste attaché à ces valeurs-là, à une politique modérée, à une politique aussi qui mette en évidence l'approche républicaine pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Sangaré. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et porte-parole du Front populaire ivoirien. Merci d'avoir été sur notre plateau. On aura certainement d'autres occasions avant les jours que cette électorale vous recevoir à nouveau sur notre plateau. Ça a été un vrai, vrai bonheur de vous avoir avec nous. À très, très bientôt. Nous, on marque une courte pause et juste derrière, nous serons en compagnie du docteur Amédée Koffi Kouakou, ministre de l'Équipe et de l'entretien routier dans le Grand Talk. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk et notre invité nous a rejoint, c'est le docteur Amédée Koffi Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Bon, on va régler une situation. Alors, monsieur le ministre, on vous avait invité sur le plateau il y a quelques jours. Vous êtes là ce soir pour répondre à certaines de nos préoccupations. Très bien. Voilà, et vous avez entendu notre invitation. Celle-là, vous l'avez entendue, parce que certainement, il y a eu d'autres que vous n'aviez pas entendues, à un nombre qu'on va déterminer. Qu'on passera sous silence. Merci le ministre, en tout cas, d'accepter l'invitation de Live TV. Alors justement, lorsqu'on évoquait cette invitation-là, il était question du coût
du péage de Grand Bassam depuis son ouverture le 24 juin 2022. Monsieur le ministre, entendez-vous les préoccupations, entendez-vous les plaintes et complaintes des populations à propos du coût de ce péage à 1000 francs, par exemple? En tout cas, je voudrais vous remercier de m'inviter sur ce plateau. Le problème du péage, c'est une chose. Mais je pense que si vous écoutez la Côte d'Ivoire profonde, les Ivoiriens ont besoin de routes pour circuler. Essayez de sortir un peu d'Abidjan. Je pense que ceux qui ont Abidjan, qui ont une autoroute, doivent dire merci au président Alassane Ouattara. Parce que dans beaucoup de contrées, avec les pluies, toutes les routes sont coupées. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas les ordres de grandeur de construction d'une route. Une route neuve, c'est au bas mot 750 millions de francs pour un kilomètre. Pour construire une autoroute comme ça, là c'est en deux fois trois voies, j'ai dit bien deux fois deux voies comme l'autoroute du Nord, là c'est en deux fois trois voies, donc c'est encore plus cher. Vous avez au moins 2 milliards de kilomètres pour faire un kilomètre. Pour l'entretien d'une route, ça coûte excessivement cher. Vous savez, on parle du coût du péage à 1000 francs. Mais ceux qui prennent l'ancienne route pour aller à Bassam, je pense que quand vous prenez le coût du carburant, de ce qu'ils dépensent, les charges d'exploitation, le temps que vous passez, ça dépasse 1000 francs. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Mais lorsqu'on construit une infrastructure comme ça, j'ai dit souvent, il y a des économies qui coûtent excessivement cher. Vous prenez la route de la Côtière. Cette route, on l'a construite, elle était gratuite. Il n'y a pas de problème. Mais quand elle s'est dégradée, d'Abidjan à San Pedro, on mettait 10 heures. Avec toutes les coupures, vous gâtez votre voiture, vous dépensez du carburant. Aujourd'hui, nous sommes en train, grâce au président de la République, nous sommes en train de la réhabiliter. Au lieu de 10 heures, lorsque ça va finir, on mettra au maximum 4 heures de temps. Alors, est-ce qu'on met un péage pour entretenir la route, pour qu'elle dure le plus longtemps possible, ou bien on la laisse gratuite? Alors, donc, pour en revenir au péage de Bassam, nous avons fait une étude pour l'entretien, pour toute l'assistance qu'on va apporter sur cette autoroute. C'est un tarif qui est convenable. Et j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour dire que des fois, il y a un seul véhicule qui passe. Mais allez-y, je pense que je ne veux pas répondre à ça. Parce que même si personne ne passe, ce n'est pas grave. Mais je vous dis que l'autoroute est parfaitement fréquentée. Pourquoi vous dites que ce n'est pas grave si personne ne passe? Non, mais ils peuvent aller passer par l'ancienne route. Il y a une alternative. Nous, on n'a pas fait la route pour chercher de l'argent. On a fait la route. Le président a souhaité qu'on fasse cette route pour permettre aux Ivoiriens de circuler dans de bonnes conditions. Et si des gens estiment qu'aller passer par l'ancienne route, ils dépenseront moins que 1000 francs en plus et qu'ils ne passeront pas, bon, au moins on a donné une alternative. Et voilà. Alors, donc, monsieur le ministre, nous souhaitons que les Ivoiriens, mais je vous dis que l'autoroute est très empruntée. Alors, monsieur le ministre, bon, on nous a parlé d'environ 500 véhicules par jour. On ne va pas entrer dans une polémique des chiffres. L'utilité du péage, évidemment, cela apparaît clairement. Mais ce qui pose problème là, c'est la situation de ce péage à la sortie d'un quartier, à l'entrée d'une autre, alors que vous aviez, par exemple, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je suis observateur aussi parce que je circule dans la zone. Mais après Bassam, on aurait pu peut-être poser ce péage, ce qui lui aurait donné, je pense, une légitimité. Maintenant, ce que vous répondez, moi je suis quand même choqué un peu par votre discours, et c'est le reproche qu'on vous fait sur les réseaux sociaux, c'est de devoir tout ramener au chef de l'État, alors que quand la population estime que 1000 francs, c'est un tarif qui est élevé, je pense que cela mérite quand même d'être étudié et de trouver une solution. Alors, avant vous, monsieur le ministre, pardon, hein, mais je vais prendre un peu. Je sais que vous avez des éléments de réponse bien précis. Je reviens à vous, monsieur le ministre. Je sais que vous aurez l'occasion de répondre, monsieur le ministre. Je vous le promets. Isabelle, vous avez une autre préoccupation. Parce que vu qu'on a quelques minutes avant de vous retrouver sur le plateau de 100 langues de bois, je vais grouper les préoccupations de mes camarades sur le plateau. Non, mais je veux répondre. Je vous promets que vous répondrez, monsieur le ministre. Je vais répondre à la question. Monsieur le ministre, vous répondrez, je vous le promets. Monsieur le ministre, je vous promets. Vous savez, cette autoroute, oui, je vais me déplacer. Construite, ce n'est pas une autoroute pour aller à Bassam. Mm-hmm. Lorsqu'on était en train de construire cette autoroute, il n'y avait aucune habitation. Lorsqu'on a signé les accords de prêt avec la Chine pour construire cette autoroute, dans les accords de prêt, il était écrit qu'on devait faire, donc, on devait mettre un péage.
Les gens sont venus s'installer autour de l'autoroute. Ce que le gouvernement a autorisé, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est que tous ceux qui sont donc venus s'installer autour du péage, je vous dis, ils ont droit, pour un véhicule, ils paient 1000 francs par jour, même s'ils passent 100 fois. Mmh. Vous pouvez donc vous renseigner, tous les riverains autour du poste de péage, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui a été arrêté. Toutes les promotions immobilières qui sont là, nous avons la liste des usagers. Et aujourd'hui, ils paient 1000 francs par jour, je dis bien par jour. Ils peuvent passer 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est exactement le même tarif. Mais c'est une autoroute qui fait partie du corridor Abidjan-Lagos. Donc, dire qu'on est venu mettre ça en pleine ville, nous, on a fait notre autoroute, et c'est les gens qui sont venus habiter juste à côté. Très bien. Merci, monsieur le ministre. Vous avez répondu, et justement, on a d'autres préoccupations qu'on va gentiment transmettre à André Bois, que vous retrouvez tout à l'heure sur le plateau de Sans Langue de Bois. Nous, on était très, très heureux de vous recevoir, justement, parce que vous aviez des éléments de précision sur ce plateau. On les évoquait, et vous avez été gentil d'être sur notre plateau pour apporter ces éléments de précision. Non, vous allez monsieur le ministre, vous repartez sur le plateau. Il est 30 minutes et là, vous aurez plus de choses à dire, monsieur le ministre. Il est de notre compagnie. Le ministre est de notre compagnie. Il est de notre compagnie. Le JT. J'attendais la question des dames, tu voulais me cuisiner. On va marquer une courte pause. Il y a des informations du journal télévisé. Alain va prendre en compte toutes nos préoccupations. Voilà, André Bois, vous avez toutes les préoccupations des dames et des cuisines. S'il vous plaît, à tout à l'heure. Merci. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous ce soir. C'est jeudi, vous le savez, jeudi. Je me ramène sur Live TV juste après le grand talk pour un sans langue de bois tout aussi explosif. Je veux déjà l'annoncer comme ça. Nous recevons aujourd'hui le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Il était dans un instant avec Brice Hanot et ses amis. Et je prends le relais pour un autre moment d'explication de la politique gouvernementale en matière de route. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Bois. Je suis très heureux d'être avec vous, monsieur le ministre. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes présenté par nos concitoyens comme le grand méchant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils disent que vous portez la politique dure d'Alassane Ouattara qui consiste à casser des maisons des Ivoiriens pour faire des routes. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Je voudrais vous remercier de l'invitation qui nous est faite. Je pense qu'on ne casse pas des maisons des gens parce qu'on a envie de casser. Si je prends par exemple l'autoroute de contournement d'Abidjan, très bien. Qui traverse donc le quartier de Cocody, le quartier d'Agnama, qui va servir à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble de la population ivoirienne et notamment d'Abidjan. Lorsqu'on passe dans des quartiers, s'il y a des maisons, ces maisons-là, les propriétaires sont dédommagés. On ne casse pas parce qu'on a envie de casser, parce qu'il y a un projet qui doit être fait pour l'ensemble des Ivoiriens. Donc la zone est déclarée d'utilité publique, donc en conseil des ministres, et une fois que la zone est déclarée, tous les habitants sont identifiés, leurs maisons sont évaluées, leurs terrains sont évalués, ils sont dédommagés avant qu'on réalise le projet. Donc je ne peux pas être méchant parce que je suis en train de construire des routes pour l'ensemble des Ivoiriens, mais c'est une nécessité qu'on puisse avoir les emprises. Mais je tiens à vous préciser que les emprises de la Y4, par exemple, l'autoroute de Contournement, prenons ce projet-là. Oui. L'emprise existait. Hein. Mais c'est la faute les à gens qui... sont venus s'installer. Mais la faute à qui ? À l'État qui a laissé faire. Non, ce n'est pas l'État qui a laissé faire. Avec ces démembrements, les mairies, les collectivités locales. Ah bon, ça, je ne peux pas le dire, mais les gens n'avaient pas le droit de s'installer. Ils sont venus s'installer au moment où l'État décide de faire son projet. Et des gens sont installés, mais malgré qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, l'État décide quand même de les dédommager. Très bien, l'État, voilà. La main sur le cœur, décide de les dédommager, vous dites, mais on entend beaucoup de plaintes, il y a des familles qui se plaignent. Est-ce que véritablement, vous pouvez rassurer nos concitoyens aujourd'hui, les regarder dans les yeux, dire l'État dédommage chaque fois qu'il y a un projet pour la collectivité? En tout cas, moi, en ce qui concerne le domaine routier, si vous prenez le 4e pont d'Abidjan, l'autoroute de contournement d'Abidjan, tant qu'on n'a pas dédommagé quelqu'un, on ne touche pas à sa maison. Très bien. Ça, c'est une bonne entrée en matière politique, justement, de développement, mais aussi politique participative des riverains. Comment est-ce que, justement, vous amenez nos concitoyens
à comprendre justement l'importance de ces routes. On a le sentiment que parfois, il y a une cassure. Est-ce que vous arrivez vraiment à les convaincre que c'est des projets porteurs pour la collectivité? Je pense que, M. Bois, vous êtes vous-même ivoirien. Oui. Aujourd'hui, tous ceux qui se promènent dans la ville d'Abidjan estiment que, depuis que le président Ouattara est là, la ville respire mieux, les quartiers qui n'étaient pas accessibles, parce qu'il n'y avait pas de bitume. Aujourd'hui, le bitume arrive dans tous ces quartiers. Mmh. Il y a beaucoup de régions où les gens demandent des routes, mais pour les faire, évidemment, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Mais je dis bien, à chaque fois que nous devons construire des infrastructures, on prend le soin de dédommager les personnes qui sont impactées par le projet. Très bien, ça c'est dit. Monsieur le ministre, on va parler de ce péage. Tout à l'heure, vous étiez bien lancé, vous n'avez pas pu partir au fond de votre réflexion. Donc la première question que vous ont posée mes collègues, je veux qu'on revienne là-dessus. Vous-même, vous l'avez dit, en Europe, quand je vais à 10 km, j'ai une sortie, je paye, admettons, 1 euro. Peut-être que le péage, c'est sur 15 euros. On paye 1 euro, 2 euros, etc. Mais pourquoi là, on n'aurait pas pu faire différents postes et faire un poste global qui a coûté le prix qu'il coûte, selon ce qu'on a entendu, 23 milliards. Au fond, est-ce qu'il a coûté 23 milliards hein, ah oui, mais je pense qu'au moment de l'ouverture de ce péage, j'ai expliqué, parce que j'ai dit que très souvent, nos compatriotes n'avaient pas les ordres de grandeur de la construction des routes. Une route normale, en 2x2 voies que vous voyez là, c'est autour de 750 millions, souvent même un peu plus. On peut même arriver à 1 milliard de kilomètres. Lorsque nous sommes en zone montagneuse où il y a beaucoup de rochers à casser, et pour une autoroute à 2x2 voies, là, sur la route de Bassam, nous sommes à 2x3 voies. Une autoroute à 2x2 voies, c'est minimum 2 milliards de kilomètres. Donc là, on va tourner autour de 2,5 milliards, 2,7 milliards du kilomètre. Très bien. Donc, si vous regardez, avant d'arriver à l'autoroute, vous voyez tout le biseau qui a été fait. C'est, le poste est très grand, hein, c'est, le plus grand, c'est l'un des plus grands postes. Donc, si on fait la somme des kilomètres, donc ça fait, avant d'arriver au poste, si on fait la somme des voies, on est autour de 2 kilomètres, après on est autour de 2 kilomètres. Donc, ça fait déjà 4 km. Si vous multipliez par 2,5 milliards, tout de suite, vous allez voir que le prix qui est là, il est. En quoi est-ce que, monsieur le ministre, en quoi c'était nécessaire d'avoir un poste si important et qui ingurgite beaucoup d'argent public? Ah oui, mais je pense que les Ivoiriens, quand ils sortent, ils s'en vont à l'intérieur du pays. Ils arrivent au péage d'Atingué. Tout le monde se plaint. Parce que la queue va vient jusqu'à vers Jesco. Mmh. Mais c'est pour pouvoir éviter la plainte des Ivoiriens. Parce que là, on a un tronçon où on a environ en moyenne 14 000 véhicules jour. Si on fait quelque chose de tout petit, vous allez avoir des files d'attente qui vont être très longues. Mmh. Alors donc, on a été obligé d'élargir le péage. Je vous dis que même le péage d'Atingué va être élargi. Parce que, va être élargi, c'est normal. Parce que les week-ends, quand vous voyez les files d'attente, il va y avoir la canne. Les gens vont se déplacer, il faudrait que sur ces postes de péage, on puisse avoir une fluidité parfaite. L'explication, on l'entend, c'est dans un projet plus long, etc. Très bien. Parlons maintenant quand même des péages. Vous annoncez 14 postes de péage sur l'ensemble du pays. C'est à peu près ça, à moins que les choses aient changé. C'est ça. Très bien. Mais les Ivoiriens, ils payent la taxe sur les routes. La taxe est liée justement à la carte grise, les patentes. Donc il y a beaucoup de taxes déjà qui sont contributives, justement, pour la construction des routes. Pourquoi imposer des péages aux Ivoiriens? Alors, Monsieur Bois, je veux simplement vous dire que tous les Ivoiriens, pour ne pas savoir, hein, chacun des élus, tout le monde veut des routes chez lui. Très bien. Vous avez vu le prix du kilomètre de route que j'ai donné. Mais en Côte d'Ivoire, en 2011, on avait 6500 kilomètres de routes goudronnées, dont 4500 étaient dégradés, dont la côtière que tout le monde a vue. Mm. Vous avez vu, il y a une vidéo qui est passée récemment sur ici à Daloa, qui est complètement dégradée. On avait 4500 km de route qui étaient dégradées. Sur ces 4500, grâce à la politique du président Alassane Ouattara, on a réhabilité un peu plus de 2500, il reste moins de 2000 à réhabiliter. Mais dans le même temps, on a construit déjà, terminé 1000 km de route. On est en train de terminer 2000 km d'autres routes. Mais je vous dis, quand vous voyez le coût de construction, sans compter l'autoroute qu'on est en train de prolonger jusqu'à Boaké, quand vous voyez le coût de ces projets, il faudrait qu'à un moment donné, c'est comme dans l'environnement, c'est le pollueur-payeur. Si l'État a fait l'effort de construire une route, ceux qui passent cette route doivent contribuer à son entretien. Oui. Nous tous, on était dans ce pays. Avant qu'on mette le péage sur l'autoroute du Nord,
quand vous passez sur le terre-plein central, vous voyez les herbes qui montaient comme ça, vous voyez l'autoroute qui était complètement fermée, mais depuis qu'il y a le péage, vous voyez que l'autoroute est parfaitement... Mais il fallait rendre l'État plus efficace, peut-être, non? C'est-à-dire? Non, faire travailler l'État qui était propriétaire de ces autoroutes. Oui, mais bon, vous savez, beaucoup de gens aiment le gratuit. Oui. Mais tout ce qui est gratuit vous coûte cher après. Très bien. Je prends la côtière, qui était gratuite, mais à un moment donné, comme on n'a pas eu d'entretien, la côtière s'est dégradée. Donc, pour aller d'Abidjan à San Pedro, vous mettez minimum 10 heures, avec tous les risques que des gens vous agressent. Mais aujourd'hui... lorsqu'on va finir la réhabilitation de cette côtière, évidemment, les gens passeront 4 heures de temps, rouleront dans de bonnes conditions, mais évidemment, en contribuant à l'entretien de cette route. Très bien. Est-ce que là, ce soir, monsieur le ministre, vous pouvez nous rassurer que les Ivoiriens ne vont plus, donc, j'allais dire, sur la base de leur budget, le budget de l'État, les taxes, etc., participer à financer la construction de routes, puisqu'on a le fer. Justement, il faut qu'on en parle. Le fer, ça fait un moment, ils ont quand même quelques contributions, mais on veut comprendre, ça sert à quoi aujourd'hui, ce que gagne le fer, concrètement, ça a permis d'avancer sur quel dossier, sur quel projet de route? Alors, je sais que, vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous avons en moyenne 82 000 km de routes qui sont classées. J'étais à l'Assemblée nationale ce matin pour présenter un projet de loi sur la classification des routes, les routes nationales, les routes départementales, les routes urbaines, ainsi de suite. Mais vous savez que pour ces routes-là, l'État a besoin d'énormément de moyens pour les entretenir. Au bas mot, je dis bien au bas mot, le budget d'entretien des routes par an, il nous faut 280 milliards. Vous avez vu avec les... À peu près le tiers de votre budget, si vous voulez. Ce dont on a besoin pour ne serait-ce que faire l'entretien des routes. Je dis bien l'entretien. Parce que avec ces pluies-là, quand on vous appelle pour dire que la route d'accès au village de M. Bois est coupée, qu'est-ce qu'on fait? On intervient tout de suite, oui ou non? Quand on intervient, on prend l'argent où? C'est l'argent du fonds d'entretien routier. Donc, il y a des travaux qui sont planifiés et il y a des travaux qui sont des travaux d'urgence. Donc, l'ensemble, je dis bien, les besoins minimums du fonds d'entretien routier par an, c'est 280 milliards. Ces ressources-là, nous ne les avons même pas. Ça veut dire que l'État ne peut même pas entretenir l'ensemble du réseau. Donc, quand l'État fait des efforts pour bitumer une route, pour apporter du confort à un groupe de population, pour moi, il est de bon aloi que ces populations-là contribuent vraiment à l'entretien de cette route. Quand vous prenez la route de l'Est, le péage, ce n'est pas une autoroute, le péage, c'est 500 francs. Pour quelqu'un qui contribue à 500 francs, mais si on n'avait pas ces péages et que les routes se dégradaient, j'ai discuté avec un patron des transporteurs ce matin. Quand on va finir, on va ouvrir l'autoroute Yamsoukro-Tiébissou. Mais avant, quand vous prenez l'ancienne voie, si on vous demande de payer 1 000 francs, mais avant, quand vous prenez l'ancienne voie, vous passez deux fois plus de temps, vous dépensez plus en carburant, vous avez un problème de sécurité routière. Donc, il vaut mieux payer un montant modique pour emprunter une autoroute, rouler dans de bonnes conditions, préserver sa vie, préserver son véhicule et consommer moins de carburant. Très bien. Donc là, on connaît maintenant ce que, en tout cas, les fonds du fonds d'entretien, à quoi ça sert. Il fallait quand même faire cette précision. Mais parlons des routes qu'on a ici à Abidjan. Beaucoup sont là, ils disent, mais c'est vrai, on fait des routes Riviera, machin, c'est bien, tout ça. Mais au détriment peut-être de certaines voies à l'intérieur du pays. Est-ce que cette lecture-là vous paraît un peu, on dit non, on concentre tous les travaux à Abidjan. Ça vous paraît une mauvaise lecture ou une critique un peu trop facile? Ah oui, peut-être que ceux qui disent ça ne sont jamais allés à l'intérieur. Parce que pour ceux qui vont à l'intérieur, ils ne diront jamais ça. Vous prenez la ville de Yamoussoukro. La ville de Yamoussoukro, les voies qui ont été réhabilitées à l'intérieur de la ville de Yamoussoukro, c'est plus de 100 km de route qui étaient entièrement dégradées. Quand on parle, les gens peuvent aller à Yamoussoukro pour voir. Alors, donc, vraiment, le président a mis une politique pour développer les villes secondaires. Allez-y à Boaké, allez-y à Korogo, allez-y à Daloa, allez-y à Boiflé, allez-y dans toutes ces grandes villes. Donc, le gouvernement a mis en place une politique de développement des villes secondaires. Donc, ceux qui disent qu'on ne travaille qu'à Abidjan, ils ne sont jamais peut-être allés à l'intérieur du pays. Je les invite à aller visiter un certain nombre de villes de l'intérieur. Très bien, ils vont sans doute y aller, mais avant, ils sont à Abidjan. Allez-y qu'ils aillent à San Pedro. À San Pedro, ils verront qu'il y a toutes les voiries qui sont en train d'être faites dans la ville de San Pedro. Très bien. Alors, parlons encore, restons à Abidjan, pour parler de désengorgement. C'est aussi, avec le ministère des Transports, c'est aussi une question que vous adressez. Aujourd'hui, on n'a que deux, trois voies
pour, ou une voie pour aller par exemple à Bassam, mais on nous parle de construire des échangeurs, parce que beaucoup d'Ivoiriens ne comprennent pas, ils se disent, mais pourquoi on ne fait pas une autre voie ou un pont qui va permettre de partir de Kumasi à la Riviera ou de Mputo, voilà, des choses beaucoup plus pratiques dans l'instant, parce qu'il y a une seule voie. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un problème de choix au niveau du gouvernement? Alors, mais je pense que vous posez une question intéressante. On n'a pas beaucoup de temps, sinon j'allais vous dire que quand vous prenez Kumasi, oui, Makori, Trècheville, ces trois quartiers sont une île qu'on appelait l'île de Petit-Bassam. Petit-Bassam. Alors, donc, jusqu'en 1957, il y avait un seul pont, le pont Fouette. Après, il y a eu le deuxième pont, en 1970, le pont de Gaulle. Mais le troisième pont, il est venu en 2014. C'est ça. 44 ans plus tard. Le troisième pont. On est en train de faire le quatrième pont qui va relier Yopougon à Djamé Plateau. À Djamé Plateau. On est en train de faire le cinquième pont qui relie à Cocody. Je pense que d'autres ponts vont se faire du côté de Benjerville vers Ebra pour déboucher directement sur Bassam. Tout ça, c'est un projet. Mais vous voyez, sur le boulevard Mitterrand, nous sommes conscients des problèmes que ceux qui, aujourd'hui, toute la classe moyenne, habitent Benjerville. Mais vous voyez la sortie de Benjerville. Sur le Mitterrand, avant, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc les carrefours étaient à niveau. Oui. Mais quand les carrefours sont à niveau, donc il y a des conflits, parce qu'on est obligé de mettre des feux. Donc on a pris la décision de déniveler tous les carrefours. Donc carrefour à Bata, comme on appelle au niveau de Faya. Ouais. Quand vous arrivez juste après Akwedo, l'échangeur est en train d'être construit. Vous allez arriver à la Palmeraie, il y a un autre échangeur. À la Riviera 3, un autre échangeur. Mais monsieur le ministre, laissez-moi vous arrêter un peu, on ne comprend pas tout ça. L'échangeur là, à Trècheville, Marcory, qui célèbre quand même l'amitié entre les Japonais et nous, personne ne comprend finalement son utilité. Parce que c'est ça aussi les questions que peuvent se poser nos concitoyens. Et là, on vous attend dessus en termes d'explication. Ah non, mais ça c'est une excellente question. Si vous prenez l'échangeur de l'amitié ivoirienne japonaise, c'est un don du gouvernement japonais. Oui. Alors, ce don du gouvernement japonais, il y a deux phases. La première phase a coûté 25 milliards, financée entière, c'est un don. Hein. Et la deuxième phase qui est en train d'être réalisée, c'est aussi un don qui va coûter 25 milliards. Un don, mais on aurait pu faire une route, non? Ah non, mais c'est un don. Ils ont choisi, eux, l'échangeur. De déniveler ce carrefour. Très bien. Parce que c'était un point où on avait beaucoup d'embouteillages. Ouais. Donc, de déniveler ce carrefour. Alors, pour l'instant, ce que vous voyez, on roule sur cet échangeur actuel en sens inverse. Quand on va finir la branche que nous sommes en train de faire, lorsque vous quittez Makori pour aller à Trècheville, vous allez passer sur la branche qui est en train d'être construite. Lorsque vous quittez le pont de Gaulle pour aller à l'aéroport, vous allez prendre la voie actuellement qu'on emprunte pour aller vers de Gaulle, donc vous allez rouler dessus en sens inverse. Et lorsque vous quittez Trècheville pour aller vers Makori, vous allez monter sur le pont. Parce qu'actuellement, quand vous voyez, quand vous venez, oui, vous passez vers Solibra, mais vous ne voyez pas que le pont, l'ouvrage est en face de vous. Donc quand on va finir, on va remettre donc la circulation dans le bon sens. En tous les cas, les Ivoiriens aimeraient bien comprendre tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on va finir avec une dernière question sur la route, parce que vous êtes un homme politique, il faut qu'on en parle. Finalement, les Ivoiriens, c'est le Premier ministre qui vous l'a dit, les Ivoiriens, ils aiment bien qu'on ait des routes, qu'on rattrape notre retard, mais à un certain moment, il y a un trop-plein. Pourquoi la planification n'est pas un peu plus étalée? Parce que là, tout est regroupé, on n'en peut plus. Et à un certain moment, on peut aussi péter un câble, comme diraient les jeunes. Peut-être qu'il faut qu'on aille un peu doucement sur la ville d'Abidjan pour permettre aux choses d'être plus supportables. Ah, oui, mais vous êtes en train de reprocher au gouvernement pourquoi le gouvernement travaille pour améliorer les conditions de circulation des Ivoiriens. Ce qu'on est en train de faire en 5 ans, pourquoi on n'attendrait pas 15 ans pour le faire? C'est ce que vous voulez dire. Non, moi, j'emprunte l'expression du Premier ministre qui a dit aux Ivoiriens, patientez, ne soyez pas fâchés, même s'il y a beaucoup de travaux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui. Donc, quand même, quelque part, il reconnaît qu'on aurait pu peut-être un peu étaler l'ensemble de ces travaux. Mais oui, mais moi-même, chaque fois, je passe, je dis aux Ivoiriens, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Lorsqu'on va finir l'ensemble de ces ouvrages, la circulation va s'améliorer considérablement. Oui. Aujourd'hui, le Premier ministre, il n'y a pas longtemps, a allé lancer les travaux de l'échangeur à Kwaba. Oui. Tous ceux qui vont du côté de Port-Boué le soir, tous ceux qui vont à l'aéroport connaissent tous ces problèmes de congestion. Mais lorsqu'on va finir cet échangeur, on va avoir un trafic qui sera fluide. Mais on ne peut pas dire que, comme on construit des échangeurs ailleurs, à Kwaba, on va attendre un peu. Le pont de Cocody, on va attendre un peu. Non, je pense que tout ça est parfaitement planifié, les travaux se déroulent
Je pense que le pont de Cocody, c'est-à-dire le pont qui est sur la baie de Cocody, ouais, au premier trimestre... Ah, justement, puisque vous parlez de ce pont de Cocody, parlons de ce... Parce que là, je pique un peu quelques minutes à mes camarades de la régie. Et là, cette baie de Cocody, il y a des choses à dire. L'indénier, c'est un gros point qui a fatigué pas mal de gouvernements. Mais là, vous, vous êtes convaincu que vous n'allez pas vous casser les dents là-dessus? Parce que c'est un projet quand même qui est assez compliqué depuis un moment pour les gouvernements. Non, le problème, c'était l'inondation à ce carrefour. Oui. Je pense qu'avec ce qu'on a fait, à moins qu'on ait une pluie exceptionnelle, les problèmes d'inondation, je pense que sont résolus. Vous pouvez prendre aujourd'hui l'engagement pour Le problème d'inondation... Vous êtes un ingénieur, docteur des ponts et chaussées, génie civil. Vous pouvez dire aujourd'hui qu'avec ce qu'on a fait maintenant, les Ivoiriens peuvent dormir tranquille, l'indénier, ce ne sera pas cauchemar. Tant qu'il va y avoir des pluies que nous avons prises pour dimensionner, théoriquement, il ne devait pas avoir de problème. Mais avec le changement climatique, ouais, avant, en décembre, il ne pleuvait pas, hein, mais ce matin, il a plu. Ouais. Il a beaucoup plu. Hein. Mmh. Personne ne s'attendait à ces pluies-là. Donc, nous pensons que... Quelqu'un vous dira, mais pourquoi vous ne dimensionnez pas en faisant quand même des prévisions Mais si on peut dimensionner tout ce qu'on veut. Ouais. Mais si on dimensionnait en prenant des crues exceptionnelles, au lieu que l'ouvrage, peut-être qu'il devait coûter 20 milliards, avant d'en coûter 40. Très bien. Voilà. Ça, c'est une réponse que nous entendons. Vous êtes un homme politique. Et là, vous êtes à la tête d'une association de cadres du RHDP, mais qui serait élu du Grand Centre originaire. On ne comprend pas tout ça. On a critiqué une association du Grand Nord. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire, ce type d'association, qui rappelle un peu, qui brise un peu, on va dire, l'élan national, parce que c'est un peu sectaire? Là, nous ne sommes nullement sectaires. Hein. Nous sommes des cadres du RHDP convaincus. Oui. Et nous pensons que nous avions des messages à aller porter à une partie de la population qui avait une autre vision de la politique. Oui. Donc c'est pour ça que nous nous sommes mis ensemble pour donc aller parler à nos parents. Mais je pense que ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Parce que ça porte ses fruits. Parce que récemment, vous avez vu les élections législatives à Bodokro. Oui. Paix à son âme, Mangwajak a été battu. Oui. Donc ça veut dire que ce que personne ne croyait, que le RHDP irait dans le Vébaoulé remporter des victoires. Aujourd'hui, quand vous prenez dans le Vébaoulé, je peux vous citer beaucoup de maires, beaucoup de députés qui sont donc qui sont RHDP. Et nous en sommes fiers parce que nous croyons à la vision du président Alassane Ouattara, nous croyons à la vision du RHDP qui comprend l'ensemble des Ivoiriens. Je vous précise que le RHDP est le seul et unique parti qui est national. Ouais. Quand vous allez au nord, vous allez au centre, vous allez à l'est, vous allez à l'ouest, vous allez partout, vous allez voir des élus RHDP, ce qui n'est pas le cas pour les autres partis politiques. Et, nous en sommes fiers. Vous en êtes fiers. Et donc fiers. Nous travaillons aussi bien dans la région centre. Moi, je suis du Lot-Guibois. Sur tous les maires sont RHDP, le conseil régional est RHDP, sur 9 députés de la région, il y a 7 qui sont RHDP, j'en suis fier. Et je vais prêter main forte à nos frères du centre pour que tout le centre, aux prochaines élections de 2023, tout le centre soit RHDP. C'est notre conviction, c'est pour ça que nous travaillons. Mais sur le centre, puisque vous en parlez, quand même, ils sont un peu quand même difficiles ou réfractaires. J'allais dire, vos parents baoulés, permettez-moi l'expression, parce que ce n'est pas la ruée massive vers le RHDP version, donc Amédée et les autres cadres quand même. Ils sont encore très attachés au PDCI. Et là, c'est une vraie difficulté. Et on se demande comment vous allez vous y prendre. Oui, mais vous verrez aux prochaines élections. Je pense que si on a pu prendre Bodokro, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de citadelle imprenable. Et nous sommes convaincus qu'aux prochaines élections, vous verrez les résultats. Il n'y a pas de citadelle imprenable, vous dites, mais là, les élections arrivent. Dans la région de Lot-Guibois, vous êtes maire donc, de Divo, il semblerait que vous ayez des ambitions un peu plus grandes. Est-ce que vous pouvez, là, aujourd'hui, sur Live TV, tout en sans langue de bois, nous dire, est-ce que vous rempilez pour une autre candidature à la mairie, ou vous pensez plutôt, vous êtes ministre, vous avez plus d'envergure, vous pensez à la région? Alors, je pense que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le poste qu'Amédée Kouakou va occuper. Ce qui m'intéresse, c'est de rapporter des victoires pour le RHDP. Mmh. La preuve, je suis maire de la commune de Divo, je dis bien maire de la commune de Divo, mais quand on devait aller aux élections législatives, parce que la sous-préfecture de Divo a 2 députés, ouais, j'ai décidé d'aller me présenter en sous-préfecture. Et j'ai remporté la victoire sans coup férir. Donc, j'ai ramené 2 postes au RHDP. Si aujourd'hui, la région du Lot-Guibois, je suis maire de la commune de Divo, je n'ai pas de problème. J'ai un bilan qui fait que la population souhaite que je reste. Mais aujourd'hui, nous devons ramener la région,
c'est déjà RSDP. Le président Zakpa, qui était le président sortant, est décédé. Aujourd'hui, il y a un intérimaire. Mon parti souhaite que je sois le candidat pour ramener cette victoire au RHDP. Je suis un homme de mission. Si c'est le cas, je le ferai. Sans langue de bois, est-ce que vous êtes candidat à la mairie de Divo? Parce que vous avez tout fait tout ça, mais moi je reviens à ma question. Est-ce que vous êtes candidat à la mairie de Divo? C'est pas moi qui décide, c'est mon parti politique qui décide, RHDP. Si le RHDP souhaite que je reste à la mairie, je resterai à la mairie. Si le RHDP souhaite que j'aille en région, j'irai en région. Je suis un homme de mission et soyez sûr que, quelle que soit la mission qui me sera confiée, je le ferai pour mes parents du Lodibois, parce que je sais que la politique du président Alassane Ouattara, c'est cette politique-là seulement qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Très bien, monsieur le ministre, vraiment homme politique d'envergure, qui s'occupe vraiment d'un des chantiers les plus importants du président Alassane Ouattara, élu local, cadre, donc justement, qui porte les aspirations d'un ensemble de populations. Il est avec nous ce soir, monsieur le ministre. Vraiment, merci de nous avoir fait l'amitié. C'est vrai qu'on vous a trimballé un peu, mais rassurez-vous, nous ferons une grande émission où on parlera de ce grand projet de reconstruire la Côte d'Ivoire, de redessiner les routes de Côte d'Ivoire. Merci de nous faire cette gentillesse de venir sur Live TV. Mesdames, messieurs, c'était donc Sans langue de bois à la suite du Grand Talk. J'ai eu un énorme plaisir à parler avec vous. Je vous retrouve jeudi prochain. À très bientôt. Merci.